Gambie, le discours il est clair, ça va être une petite finale. Une finale, pourquoi? Il reste un match derrière, il en reste deux. On a pris un point aujourd'hui, eux, ils ont perdu. Il y aura trois points en jeu. Gaba, est-ce que vous avez des regrets sur ce match? C'est un match qui vous titille en plus. Non, ce qui m'énerve, c'est le carton rouge. Après qu'on le prenne, ok, mais je pense qu'en deuxième période, nous aussi. Donc on a eu une faute un petit peu similaire et je pense que ça aurait mérité au moins d'aller voir le VAR pour voir s'il y avait faute. Il est même pas allé, il a juste mis un carton jaune. C'est ça qui me dérange un petit peu. Vous êtes fier de votre groupe quand même? Ah oui, parce qu'on oublie qu'on joue sans Guirassy, sans Naby Keita, sans Touré, sans Diawara. Donc les petits, ils ont bien répondu. On parle de groupe depuis 2 ans. Donc je pense que c'est une bonne réponse. Coach, quel a été votre message lors de la pause? Quel a été votre message à vos joueurs? Je leur ai dit qu'il fallait qu'on tienne pour François. Parce que, à mon sens, ce carton rouge, ça aurait pu être un carton jaune. Donc je voulais qu'on fasse un résultat pour lui. Bravo. Tout reste possible dans ce groupe? Oui, bien sûr, c'est ouvert. C'est pour ça on parle de finale. Non, il reste 2 matchs, il y a 6 points en jeu. Et on sait qu'il ne faut pas forcément attendre le dernier match pour prendre les points qu'il faut. Donc on va jouer sur ce match-là pour le gagner. Mais je pense que la Gambie aussi, donc on verra bien. Mais vous avez confiance? Bien sûr qu'on a confiance. Merci. Bravo!